Pourquoi tu fais le faux SDF? Je suis pas un faux SDF. Non, mais regardez, c'est un faux SDF. Bon, faut pas lui donner de l'argent, madame. Regardez, il fait semblant de faire le SDF. Salut l'équipe, c'est Mikala. Juste avant que la vidéo commence, je vais vous dire que ma mixtape était disponible sur toutes les plateformes de streaming. Donc je vous mettrai le lien en description, n'hésitez vraiment pas à aller voir ça. Merci sincèrement à tous ceux qui me donneront la force et qui me soutiendront dans ce projet qui me tient énormément à cœur. C'est que le début, gros big up à vous. Et au passage aussi, merci à tous ceux qui viendront s'abonner à ma chaîne Mikalash Music. Je vous mets aussi le lien en description. Aux 50 000 abonnés, il y aura une grosse surprise, un gros projet qui va arriver. Donc voilà, je compte sur vous. Comme je vous ai dit, le lien sera en description. Vision dans glace, impression pas normale. Blocage, angoisse, décelé, marginal. Phobie scolaire, anxiété sociale. Haine sévère, pensée paradoxale. Depuis tout petit, j'ai compris que je serais solo dans cette chaîne de vie. Le survie, je l'ai acquis par survie. T'es trop con car sur moi depuis que je perce, t'as changé d'avis. Salut tout le monde, c'est Mikalash. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez particulière. On va tout simplement tenter de piéger un faux SDF. Donc, comme vous pouvez le voir juste là-bas, filme cet individu là-bas, filme ce mec. Donc, comme vous pouvez le voir là-bas, le mec avec le t-shirt marron là en face du Maxi Bazar se fait passer pour un faux SDF. Alors, on en a eu la preuve. Tout simplement des abonnés qui nous ont contactés et qui nous ont montré des preuves que voilà, il était pas du tout SDF, il avait une très bonne situation même, mais qui faisait ça pour gratter des sous et tout. Filme-le bien, regarde, filme-le bien, c'est bien lui là-bas, donc on l'a bien identifié. Tiens, regarde, il demande des sous. Hein. Il demande. Je crois que, regarde, il y a un petit gobelet, je sais pas si tu vois son gobelet là. Tu vois pas trop là, tu... Ah si, après, ouais, ça se voit à côté. Ouais. Donc du coup, voilà, en fait, il se fait passer pour un SDF, il essaye d'arnaquer des gens, enfin, il fait plein de trucs assez bizarres, il fait quelques magouilles, on a entendu beaucoup de mal de lui, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement essayer de le piéger. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes si la vidéo vous plaît, comme vous savez, c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne afin de suivre les futures vidéos, et aussi de partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher et sensibiliser un maximum de monde. Donc vas-y, là, on va faire une petite observation, on va essayer un petit peu de voir comment il agit. Donc pose la caméra sur la voiture. On va essayer de le filmer un petit peu, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il fait. C'est de bien zoomer qu'on voit bien là. Hein, regarde, là il demande encore des sous je crois aux gens. Qu'est-ce qu'il fait là? Attends, il va où? Je sais pas ce qu'il fait. Ah, il récupère une bouteille et tout. Ah ouais, c'est sa bouteille? Je sais pas. Peut-être. Ah ouais, ça doit être le sien. Hein. Ouais, je pense que c'est à lui. Donc voilà, franchement, c'est de source sûre que c'est un faux SDF. On a vu toutes les preuves, donc il n'y a aucun doute là-dessus. On va quand même un petit peu l'observer, voir ce qu'il fait. On va voir un petit peu comment il agit. Moi, ce que j'avais pensé pour le piéger, genre, c'est qu'on le laisse un peu faire, tu vois. Et une fois qu'il part ou quoi, enfin, une fois qu'il a fini, tu vois, on le suit et on essaye de voir où il va. Qu'est-ce que t'en penses? J'espère qu'il va pas attendre là toute la journée parce que sinon, genre. Ah, franchement, il faut le piéger, gros. Il faut qu'on lui fasse comprendre la leçon, tu vois. Faut qu'il recommence ce genre de truc. Parce qu'en plus, genre, lui, genre, les abonnés qui m'ont contacté, qui m'ont parlé de lui, ils m'ont montré des sales preuves sur lui, tu vois. Comme quoi, c'était pas du tout un SDF et tout. Et en fait, ils se contentent pas de demander de l'argent. Et genre, ils s'en servent de prétexte pour pouvoir agresser des gens, tu vois. Et genre, à ce qui paraît, il vole des sacs à des vieilles et tout. Genre, il fait vraiment des trucs. Mec, avec sa taille. Ah, tiens, il demande. Ah, regarde. Regarde, elle va lui donner, Elle va lui donner? Ah non. Ah, la petite élève. Il est off. Ouais, il joue sur les enfants, ouais. Ah non, ils veut rien donner, ouais. La petite, il avait pitié et tout, genre. Ah non. Oh non. Oh, putain, quel bâtard. Quel bâtard celui-là. Quel gobelet. Tu vois, en plus, il vide le gobelet pour le mettre dans sa poche. Ah ouais, il fait genre. Pour faire style, en fait, il n'y a personne qui lui a donné d'argent. Quel enculé. Oh non. Vas-y, je fais quoi? Je vais le voir un peu. Vas-y, je vais aller le voir. Je vais le voir, vas-y. Vas-y, je vais un peu me foutre de sa gueule. Ça va? Une petite clé, s'il te plaît. Je crois que j'ai ça. Ah, j'ai soif, frère. Je peux boire un peu de... Non? J'ai que ça. Tu fais quoi, frère? C'était une petite pièce, je te donne des boire. De quoi? C'était une petite pièce, je te donne à boire. Ah, j'ai pas de pièces, frère, j'ai pas d'argent. C'est la S en ce moment, tu comprends? Ouais, tu aussi, la... T'as pas une petite pièce pour moi, frère? C'est rien qu'à soi. Hein. Comment ça, gars? Me gratter, c'est moi qui me montre ce soir, là. Non, non, juste une petite pièce pour moi, frère. Comme ça, je vais me prendre une petite canette, j'ai soif. Ouais, moi aussi, j'ai soif. Tu peux ça. Tu veux même pas me passer un peu d'ice-tea, frère? Non. Allez, s'il te plaît, frère. Non. Je sais pas, on peut devenir pote au pire ou. Si t'as des sous, on peut devenir pote. Ah, j'ai pas de sous, frère, c'est ça le problème. Non, frère, juste tu me passes une petite pièce, je vais prendre à boire comme ça. Vas-y, casse-toi maintenant. C'est vrai, casse-toi. Pourquoi? Déjà, il me donne plus de sous, casse-toi. C'est mon territoire ici, tu te casses maintenant. Qu'est-ce que tu fais, gros? Maintenant, tu te casses, sinon je vais m'énerver. Tu vas faire quoi? Je vais m'énerver. Tu vas faire quoi là? Vas-y, passe-moi une petite pièce, frère. Aucune. Aucune. T'as de la chance qu'il y a des gens, frère. Vas-y, c'est bon, c'est ton territoire ici. Ouais, vas-y, c'est bon. T'inquiète. Ah, les gars, vous imaginez même pas comment on va lui faire du sale après. On va lui faire du sale, on va lui faire du très sale, on va le rendre fou, on va lui faire péter les plombs. En gros, je suis allé le voir, gros. Alors en gros, il fait trop le fou, gros. Tu peux aller taper, mec.
Comment ça? Je sais pas, genre il s'est levé comme ça d'un coup, genre je sais pas, moi il est vachement grand, tu vois. Ouais, c'est il est plus grand. Ouais. Il fait trop le fou, gros. On va lui faire du sale, gros. On va rester là, on va un petit peu observer ce qu'il fait, tu vois. On va aller le suivre après, on va voir où est-ce qu'il va. On va lui faire du sale, gros. Je vais lui mettre la misère, gros. Mec, il demande encore des sous aux gens là. Ah, c'est moi, ils lui ont rien donné. Bon, il était là en fait, il parlait tout doucement, genre, et genre il se mettait proche de moi, genre pour pas que les gens entendent, tu vois. En gros, il essayait de me faire partir, genre, mais. Il doit être là, genre, un habitué, parce qu'il y a une voiture qui est passée, tu vois. Ouais. Il l'a fait comme ça. Ah ouais? Genre, il le connaissait, je pense. Ça va être un employé ou quoi, genre, qu'il le connaît, qu'il le voit tout le temps là ou quoi. Mais en fait, genre, il est venu, ouais, vers moi, il a commencé à dire, ouais, casse-toi, c'est mon territoire ici. Si tu restes là, les gens, ils me donnent pas, je sais pas quoi. Non, cigarette. Ah ouais? Non, ouais, c'est bon, non, c'est bon, ils l'ont pas donné. Non. Bon, vas-y, ce qu'on va faire, gros, je fais quoi? Je retourne le voir. Quand tu veux, sinon on attend, on voit ce qui se passe, genre où est-ce qu'il va et tout, on le suit. Là, c'est Noël, je pense qu'ils vont fermer tôt, du coup il est obligé de se barrer, il va pas rester là toute la journée. Ouais, il fait ça le jour de Noël en plus. Ouais, on est le 24, on tourne la vidéo le 24, il fait ça le jour de Noël en plus. Mais tu sais que genre, j'ai l'impression, je pense que vu que c'est Noël, ils vont bien se gaver. Ouais, je pense qu'il va bien jouer là-dessus. Vas-y, je retourne le voir. Ah, ça va frère? Comment ça, je fais quoi encore là? Oh, t'es barré! Vas-y, recule là, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux le fous comme ça? Redescends. Tout à l'heure, je rigole avec toi, là, je vais plus rigoler avec toi. Frère, redescends. Reste tranquille, frère. Pourquoi tu fais ça? Tu te plantes? Tu fais quoi? Comment ça que tu me plantes? Tu prends mon couteau, tu fais le fou comme ça. Quel couteau? Vas-y, prends ton couteau, vas-y, sors ton couteau. Vas-y, plante-moi devant tout le monde là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire du tout. T'as un problème dans ta tête, toi. Pourquoi tu fais le faux SDF? Je prends un faux SDF. Pourquoi tu fais le faux SDF? Je prends un faux SDF. Regardez, c'est un faux SDF. Regardez, il fait semblant de faire le SDF. Me touche pas. Qu'est-ce que tu fais? Recule. Me touche pas, gros. Je vais te mettre une patate dans la tête, gros. Tu vas tomber sec, gros. Vas-y. Tu sais quoi? On se retrouvera plus tard, gros. On va se recroiser, nous. On va se recroiser, t'inquiète. Tu vas voir. Alors, qui c'est du Alizy? Et gros, il fait trop le chaud, gros. Oh gros, il fait trop le malin, gros. Il commence à me dire, ouais, je vais te planter, je sais pas quoi. C'est vrai? Et genre, tu as dit quoi là, en fait, quand t'es arrivé? En fait, j'ai commencé à dire un peu aux gens ce qu'ils faisaient, tu vois. J'ai dit, ouais. Regarde, il m'a donné encore. Il demande. Mais c'est à elle tout à l'heure que j'ai dit que c'était un faux SDF. Elle lui a donné? Mais c'est pas elle! Mais je sais pas. Tout à l'heure, il y avait une femme, t'as pas vu? J'ai commencé à crier, j'ai dit ouais, faites attention, c'est un arnaqueur, etc. Et lui, il m'a dit ouais, je suis pas un faux SDF, je sais pas quoi, dégage. Et genre, il a commencé à dire ouais, je vais te planter et tout, je sais pas quoi. Il part. Il se casse? Il s'en va. Il se casse, il va où? Je sais pas. Il va où? Je sais pas. Vas-y, passe-moi la caméra. Tu fais quoi? Vas-y, ben. Attends, faut pas qu'il nous crame. Parce qu'il m'a déjà vu. Donc faut vraiment pas qu'il nous crame. S'il me revoit, il va cramer que. On va passer dans la voiture. Ah, il est là-bas. Si, vas-y, on va le suivre en voiture. Sûr? Il va dans des endroits. Quoique, tu sais quoi, je roule derrière. Non, si on le suit à pied, il va nous voir. Si jamais il rentre dans un coin ou quoi, tu vois, tu le sors, tu le suis. Il est juste là, il est en train de marcher là. Je sais pas où est-ce qu'il va. Vas-y, suis-le, il a pris sa bouteille d'ice. Vas-y, gros. Il est là-bas à droite, tourne à droite. Vas-y, tourne à droite. Attends, je le vois. Si, attends, avance pas, va pas sur la route, sinon on va. Attends, il va nous voir. Là, regarde. Je le vois pas. Je crois qu'il essaie de traverser la rue ou quoi. Attends, t'engages pas. Il est là, il avance. Il marche le long de la rue, t'engage pas gros. Il est là-bas, il va dans le parking gros. Il rentre dans le parking là je crois. Putain, j'ai cru qu'on avait perdu sa mère. Je pense qu'à mon avis il doit être garé dans le parking, il va chercher son véhicule. On va rentrer dans le parking. Attends, tranquille, rentre, on va pas aller maintenant. De toute façon moi je me baisse hein. Je me baisse, toi tu passes devant. Vas-y. Il est juste là gros. Vas-y fais gaffe, faut pas qu'il me voit. Toi s'il te voit à la rigueur on s'en fout en fait. Mais moi il faut pas qu'il me voit gros. Il va où, vas-y, va. Je fais semblant d'aller tout droit. C'est la moto, je crois, il va prendre la moto, je crois. Non. Si, regarde, il va vers la moto. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui. Attends, faut pas qu'il... Ah, le bat. Il y a juste à côté. Ah, le bat. Vas-y, fais demi-tour. Ouais, je vais caler la caméra juste là. Bon. Non, je pense pas qu'il verra, C'est bon, c'est bon. Vas-y, je cale la caméra juste ici, gros. C'est bon, moi, je suis il va où? Il revient, regarde. Ah, il a le casque. Allez, t'as cherché le casque. Ah ouais. Ah c'est à lui en fait, il fait quoi? Il a quoi? Ah c'est ses pièces là? Vas-y je fais quoi? Je vais le voir. Bah je sais pas, ouais, il va se barrer sinon, vas-y va le voir. Oh le mec en plus il jette les bouteilles et tout. Ah vas-y vas-y j'y vais. Filme bien, regarde ça filme bien gros. C'est bon, vas-y. Ah gros. Non, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y descends, viens. Descends. Vas-y descends. Descends là. Quoi voilà, vas-y. Le contact là, le son est clair. Touche pas la moto. Touche ta moto, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, recule. Touche pas la moto. J'ai dit de te barrer. Arrête de faire le fou, recule. Attention, écoutez, pourquoi tu fais ça? Touche pas. T'es pris au piège, mec. Regarde, c'est ta moto ça. On me l'a prêté. Comment ça, on me l'a prêté? Arrête, assume. Un mec qui me l'a prêté. Pourquoi t'assumes pas?
J'assume, on me l'a pris. Tu viens, tu fais le faux SDF, t'arrives, tu jettes les trucs et tout, tu prends ton casque. Pourquoi tu t'assumes pas, gros? Maintenant, on va parler entre hommes, tu vois, maintenant t'es grillé. Moi, je suis pas grillé. On va parler entre hommes maintenant. Pourquoi tu fais ça? Ça fait des sous. Comment ça, ça fait des sous, frère? Y a pas d'autre moyen de faire des sous? T'es à la rue, t'as quoi? T'as besoin de ça? Bah ouais, j'arrache les vieilles. Comment ça, t'arraches les sacs, gros? Bon, tu sais quoi, tu dis rien à personne. Comment ça, j'ai rien? Regarde ce que je me suis fait. Comment ça, j'ai rien à personne, gros? 100 euros aujourd'hui. 100 euros, t'as fait quoi? La manche. J'ai volé, j'ai fait la manche. T'as que ça à faire, gros? T'as pas d'autres ambitions dans ta vie là? T'as pas honte de faire ça un peu? Non. T'as pas honte de faire ça, gros? Tu es qui? T'es mon père pour me parler comme ça? Comment ça, t'es mon père pour... T'aimerais que ce soit ta grand-mère que je vole? Moi, je vais prendre ta grand-mère, je vais voler ta grand-mère, moi. Ta grand-mère, je te tue! Ta petite mamie, comme ça, je lui fais à ta petite mamie, gros. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, recule. Arrête de faire le fou. Frère, arrête de faire le mariole, arrête de faire le mariole. Déjà, t'es cramé. Pourquoi tu continues de faire le fou? En gros, pourquoi tu fais ça? T'as pas honte de faire ça? Franchement, t'as pas honte de faire ça? T'as quel âge? Quel âge? J'ai 20 ans. T'as 20 ans? Ouais. T'as pas honte de faire ça à 20 ans? Non. T'as pas honte, gros? Non. Toi, t'as quel âge? Ça, on s'en bat les de mon âge. Gros, là, on parle pas de moi, on parle de toi et ta petite moto là. Regarde ce que j'en fais ta moto là. Qu'est-ce que tu vas faire, gros? Qu'est-ce que tu vas fouetter, gros? T'as la chance, il y a des gens et tout. Comment ça, j'ai la chance, il y a des gens? Ouais, les gens, ils arrivent, pour faire trop de trucs de fou. Maintenant, je vais t'expliquer, regarde. Ça, c'est fini. Tes conneries là de faux SDF. C'est pas quoi de voler des sacs, c'est terminé. Non. Maintenant, t'es gris au grand jour. Je vais faire ça à un autre endroit, tu me trouveras pas. T'es gris au grand jour. Mec, partout où tu vas aller, je vais te suivre et je vais t'en mettre plein la gueule. T'as compris? Impossible. Tu vas continuer? Je vais continuer à faire ça, ça m'a rendu fou, regarde ce que je m'achète. Ouais, avec ça tu t'achètes ça. T'es sûr que tu veux continuer, ouais, gros continuer. T'es sûr que tu veux continuer? Ouais, je vais continuer. Ouais. Ah ouais, vas-y, recule. Vas-y, recule, frère. Recule. Mets-toi là. Ah, mets-toi là. Recule. Recule, frère. C'est ce qu'on va faire, frère. C'est ce qu'on va faire. Regarde ta moto. T'as vu ta moto? Regarde tout. Recule. Recule. Regarde ta moto. Regarde ta moto. Vas-y, recule. Recule. Regarde ta moto. Vision dans glace, impression pas normale. Blocage, angoisse, décelé, marginal. Phobie scolaire, anxiété sociale. Haine sévère, pensée paradoxale. Depuis tout petit, j'ai compris que je serai solo dans cette chaîne de vie. Le survie, je l'ai acquis par survie. T'es trop con, car sur moi, depuis que je perce, t'as changé d'avis.